Hey hey hey, coucou mes petits coucou et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady Challenge. Notre petite famille dort sous ce ciel très étoilé, toujours lui où il neige, c'est-à-dire qu'il neige sans nuages. C'est la magie des Sims. Ouh là là, encore un lever matinal qui va se risquer de se faire une Adélie pour notre petite Althea. Ah, cette fois-ci c'est gagné, le sourire en prime. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Depuis quand j'ai une salade de jardin renversée sur le banc comme ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Oups! 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 On a oublié de payer les factures. Bon, en même temps, l'électricité, on n'en a pas. Donc c'est pas bien grave s'ils nous la coupent. Mais on... Ah oui, 591, bah tu vas payer ça, ma cocotte. Alors que sous la neige, par ce temps magnifique, nous allons, avec notre ami Wilhelm, récupérer les chocobés dans les ruines et puis il ira faire un tour sous Sophie pour voir s'il n'y a pas un petit trésor. Ben, ma petite, tu vas me faire des petites conserves parce qu'on a de quoi faire en vrai. Tu peux faire des coulis de chocolat et des substituts de viande. Alors que nos petites filles dorment encore paisiblement à 11h30 du matin. Mildred qui a été relookée, elle arbore maintenant des jolis cheveux blonds, longs avec une coupe de cheveux qui vient avec vie à la campagne. Bon bah là, elle tape une crise, hein, mais elle est beaucoup trop cute. Elle est trop mignonne. Eh vas-y, tu vas y arriver. T'es presque au centre, surtout qu'avec cette neige, on voit plus rien. Trouve-nous des trésors, Wilhelm, trouve-nous des trésors. Alors, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Une chrysanthème de la mort. Bah c'est bien sympathique, mais on compte pas mourir tout de suite, en fait. Alors si tu veux bien, Jean-Claude, je vais le donner à ta femme, parce que c'est elle notre héritière. Et que bah, quand elle mourra... Un jour, peut-être, et ben, ça veut dire qu'elle mourra pas forcément. Tu vas cacher un objet? Bah, les fruits poubelles, vas-y, on l'a trouvé, on y remet, hein. Mais non! Mais Althea! Mais je l'ai... Elle s'est pissée dessus. Mais j'ai pas vu, moi, qu'elle devait se pisser, en fait. Vas-y, reprends ton substitut de viande. Oui, bah, tu pues, mais t'iras te laver après. Ah oui, bah, c'est la grossesse. Elle te réussit vraiment pas, celle-ci. Allez, mon petit Wilhelm, je te sens bien, là. Tu vas nous faire un peu de peinture. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? On a un peu d'argent. Enfin, ils font comme neige au soleil, hein, mais bon. Si on peut l'investir, pourquoi pas? Alors que Mildred fait son premier bain, sachant que, bah, maman Althea... Bah ouais, bah, elle s'est levée tellement tôt. Elle devrait enchaîner avec l'autre bain de sa autre fille. Ouais, ça va faire beaucoup, tout ça. Eh oui, ça pue, hein. Tu vas donner un bain de mousse à Guenièvre cette fois-ci, parce que là, elle est pas bien non plus. Oh, Bichette, elle peut aller aux toilettes. C'est merveilleux, Mildred. Oh. Ah bah voilà, les deux petites filles deviennent grandes, hein. Guenièvre, elle devrait grandir dans cet épisode. Oh là là, elle clignote déjà. On va pouvoir lui faire un petit gâtal. Elle va devenir une petite fille. Oh mais non. Ça va trop vite. Hein. Regardez-moi ces chippies. Tiens, tu vas parler un petit peu à ta sœur. Tu vas parler de princesse. Parce que oui, ben, étant noble maintenant, vous pouvez parler des princesses. Hein, où le super-héros n'existe pas. On pourra dire qu'elle parle de prince et de princesse. Et qu'elles aimeraient bien épouser le fils d'un seigneur. Pourquoi pas, hein. Ce serait sympa. En tout cas, ce serait le but de leur vie, quoi. Alors que Wilhelm nous a fait une toile à 205 simflouz. C'est bien. Tu vas me refaire une toile classique à 75. Vas-y. Oh, vas-y, t'es inspiré en plus. C'est merveilleux. Regardez-moi ces petites monstres. Trop mignonnes. Mais je trouve qu'elles ont des grosses têtes par rapport à leur corps. Je sais pas, aussi bizarre. Oh non. Althea. Et ton enfant alors qui est dans ton corps. Elle a eu beaucoup trop de choses à faire, elle a dû nettoyer et tout. Et oui, parce que normalement on commence à avoir le droit à avoir des domestiques. Le souci c'est qu'il faut avoir l'argent pour. Quoique que maintenant ça peut commencer à aller et je pense qu'en étant au bout du rouleau, on peut entrevoir quand même le fait qu'une femme de ménage passe à la maison. Et c'est une toile à 357. Oh là là, mais ouais, oh là, fou, ouais, non mais vraiment. On va pouvoir s'acheter une... Enfin, s'acheter les services d'une femme de ménage. Il m'a refait un chef-d'œuvre. 511. Mais c'est fou. Mais il me fait des chefs-d'œuvre en impressionniste, hein. Mais il m'impressionne. Niste. Allez, tu vas me faire une impressionniste en moyenne. Mais je pense que pendant l'épisode, on va revendre quand même nos biens. On sera tranquille et je referai qu'une fois par semaine. Donc, voilà. Regardez-moi toutes les filles de la maison qui dorment. Épuisées par leur journée. Bon, Althea, je comprends. Althea, je comprends, elle a fait beaucoup de choses. Il m'a refait un chef-d'œuvre. Il est sérieux. Cette horreur-là, ça, c'est un chef-d'œuvre, Jean-Claude.
Oh, bah 486. Ah, oh, bah non, bah là je suis déçue, hein. Tu vas me refaire une autre à 75 alors. Franchement, exprime ta créativité, hein. Fais-toi plaisir, quoi. Tu es le Picasso de ce Lord & Lady Challenge. Althea a fait sa petite sieste qui l'a quand même vachement bien remonté, l'énergie, la vache. Elle va s'occuper un peu de la maison parce que pour l'instant, ben ouais. On va pas tout faire peut-être parce qu'il faut bien garder du taf pour la femme de ménage. Mais je pense que bien assez vite, il y aura du bordel partout, quoi. Et voilà, une nouvelle œuvre de fini 176. Bon, bah là, on a clairement perdu de la thune. Enfin, perdu. Non, parce que j'ai quand même doublé la mise de 75. Mais bon, c'est pas énorme, énorme non plus, hein. Oh, ils sont mignons. Allez, faites un petit crac-crac. Ça fera peut-être venir le bout numéro 3. Pour l'instant, ça clignote pas encore. Donc, ils vont pas arriver tout de suite. Mais bon, je pense qu'au milieu de la nuit, ou au pire, au petit matin, il pointera le bout de son nez. Allez, les amoureux, c'est parti. Parce que là, les abonnés, ils attendent ce troisième enfant comme le messie. Hein. Vous êtes vraiment beaucoup, beaucoup à espérer que ce soit un garçon. Même moi, je ne sais pas. C'est vraiment toujours la surprise. Parce que j'adore les surprises aussi. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, j'adore les surprises. Oh, 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 ça y est, Mildred se réveille et Althea va accoucher. Oh là 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 là, ça y est, c'est the moment. Bébé 3 arrive, bébé 3 arrive, bébé 3 arrive. Ben oui. Oh, le pauvre petit Wilhelm qui est complètement paniqué. Oh là là, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Encore une fois, un alien va sortir de ton bidou. Mon dieu. Qu'est-ce qui... Ah, ça m'a mis un truc en plus. On va mettre ça comme ça. Je dis pas que je voudrais avoir des jumeaux. Mais on en a déjà eu dans cette partie. Donc, tu vas faire le bébé là. Papa, il va aller derrière et puis... Ça va être la révélation, hein. Oh, ça y est, Althea est en train d'accoucher. Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Allez, ma belle, je sais que tu peux y arriver. Tu m'en as déjà fait deux. Deux magnifiques filles. Nubu, ouais, bah oui, c'est ça, c'est un Nubu. T'as tout à fait compris. C'est pas un gros caca qui essaie de sortir, c'est un Nubu. Allez, c'est parti, hein. J'ai là toujours la petite pointe de stress parce que toujours peur d'être déçue ou contente ou j'en sais rien. En tout cas, on a déjà deux filles. Si c'est une troisième fille, bah c'est vraiment ouf. Et si c'est un gars, eh ben c'est super aussi, hein. Et puis si c'est autre chose, bah écoutez, ce sera la surprise. Et c'est un petit mec. Ben GG à tous ceux qui ont pronostiqué un garçon. De mon côté, je vais choisir le prénom. Un prénom un peu chelou, un peu que j'ai jamais utilisé. J'aime beaucoup les prénoms chelous. Ce sera Sigismond. Ben oui, ben pourquoi pas, après tout, Sigismond Nevers. Alors, est-ce que Sigismond est venu avec un pote à lui, qu'il aurait trouvé au fond de on sait pas où. C'est parti. Oh my goodness. Oui, c'était des jumeaux. Des jumeaux garçons. Oh, bordel. Oh non, 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 mon dieu. C'est pas possible, ça. Sigismond a amené son pote. Hein. Voilà. Ben, je sais qu'il y en a qui sont déjà en train de ricaner très très fort chez eux en me voyant déjà hurler. Parce que, OMG, elle a eu des jumeaux, elle va s'énerver. Et puis alors, heureusement que j'ai mis les deux berceaux. Bon allez, après Sigismond, ce sera aussi un prénom horrible, ce sera Philibert. Hein. Voilà, Sigismond et Philibert, c'est de la haute société ça quand même. Oh bah ben, heureusement ils sont que deux, dis donc. Oh là là, la doublette. Ah, j'ai pas fini de hurler, de m'énerver sur les cris, moi je vous le dis. Bon, et ben voilà, vous vouliez un garçon. Je vous en ai fait deux, hein. Vous êtes content? Allez, salut. Oh non! C'est maintenant que Guenièvre a choisi de grandir. Ah, mais oui, tu nous as pas laissé le temps. Tu ne m'as pas laissé le temps de te faire un petit gâteau d'anniversaire. Oh là là, bah du coup, elle est énervée. Guenièvre a vieilli, on va lui choisir une petite... comment ça s'appelle déjà, une aspiration d'enfant. Hop, allez, vas-y, celle-là, on s'en fiche. Et par contre, le premier trait, ça commence à annoncer déjà pour réflexion intense pour les votes, tout ça. 1, 2, 3. Aime la musique. Parfait. Parfait. Elle est parfaite. Mais elle est habillée n'importe comment et elle ressemble plus à un petit mec qu'à une jeune fille. Oh la vache! Par contre, elle va aller tuer quelqu'un là. J'ai pas eu mon gâteau! Tu vas souffrir! Un petit coucou à tes deux fils, mon petit Wilhelm. Incroyable.
Encore des jumeaux, hein. Il y en avait dans les commentaires qui disaient non, il n'y aura pas de jumeaux parce que ça va sauter de génération. Et il y en a eu qui ont dit oui, si, moi j'ai envie de te voir souffrir, tu auras des jumeaux garçons. Voilà, ben GG, hein. GG à vous quand même, hein, tous, hein, que vous ayez prédit la bonne chose ou pas. Et voici la petite bouille de guenièvre en étant enfant, ça va mieux en étant relookée. Je lui garde le côté bouclé comme son papa, le côté roux bouclé et comme les cheveux de son papa. Avec le petit nœud dans les cheveux et des jolies petites tenues. Comme vous pouvez voir ici, les tenues de jour et tenues habillées, tenues de nuit, tenues de fête, tenues de bain, tenues de temps chaud et tenues de temps froid. Oh! Ah bah ça alors! C'est un homme de ménage qui vient chez nous. C'est pas habituel, dis donc. Lord and Lady est très en avance sur son temps. Allez ma petite, tu vas bien commencer les bonnes choses puisque tu vas faire tes devoirs. Parce que oui, ça y est, les enfants sont autorisés à aller à l'école, garçons et filles. Et ça, ça va faire du bien. C'est-à-dire qu'au moins la journée, je serai tranquille. J'avoue, je dis rien, mais il est déjà midi, quoi. Hein? Alors, Althea, qu'est-ce qui se passe? C'est l'accouchement. Bah oui, bah tu me diras, il y en a deux qui sont passés par là. Hein. Allez, 73 simflous, homme de ménage. Ça fait mal, hein. Ça fait mal quand on n'est pas si riche que ça. Ah là là! Le duo infernal a ouvert la bouche. Oh my god. Ah, et visiblement, Guenièvre n'est pas du tout contente d'avoir des petits frères. Oh, petite biche. Oh là là, c'est la fin de ta vie, alors que tu viens seulement de la commencer. T'inquiète pas, va, t'auras une belle vie quand même, malgré les tes frères jumeaux. Ou alors, elle est juste jalouse de pas avoir eu de jumeaux ou de jumelles, quoi. C'est peut-être ça aussi. Les avis et les pronos sont ouverts pour la couleur des cheveux des garçons. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse un petit dernier. Sachant que ben pour les votes ça sera facile, ce sera Guenièvre contre Mildred et Sigismond contre Philibert. Voilà, et les deux gagnants des deux duos s'affronteront dans le duel final. Ou pas. Ah, il nous a fini une toile. 283, tu as la baraka mon petit, tu vas continuer à me faire une toile classique. Cette fois en taille moyenne. On va vendre aussi les toiles qui va faire. Parce que on doit acheter un lit pour Guenièvre. Oh, mais avec tout ça, la neige est en train de fondre. Oh ben zut et oh ben super, j'ai envie de dire. Oh, l'hiver est déjà en train de finir. Ça veut dire aussi qu'on va pouvoir repêcher. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une toile classique, ça? Ah oui. Ah ouais, j'aurais pas cru, dit. Ah, pas du tout, même. Oh là là, le duo infernal. Il s'est chié dessus en même temps. Aïe, 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 aïe. Oh, l'enfer. Alors, cette toile, qu'est-ce qu'elle donne? Non, tu iras pas voir tes fils, c'est pas ton taf. 368. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'ils te racontent, les oiseaux? Oula. Ils t'apprécient pas des masses, les petits oiseaux, là. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux offrir un cadeau? Ou un livre? Ben non, mais c'est tes devoirs, pour offrir tes devoirs quand même. Ah, tu peux offrir une chocobée. On va voir s'ils vont aimer. Tenez, petits oiseaux. Une petite chocobée. Ah ben non, ils ont pas kiffé. Alors attention, elle va chanter. Est-ce qu'elle a autant de talent que son père? Ils sont beaux les oiseaux. Mais oui! Regardez! Le petit oiseau, il s'est posé sur sa main. Oh, mais on se croirait vraiment dans Disney là. Oh, c'est trop cute! Oh là là! C'est plus le Lord and Lady, hein? C'est Disneyland. Oh, ils nous ont un cadeau pour nous! Ils ont un cadeau pour nous! Vas-y, Guenièvre! Un coulis de chocolat! Ah, oh, c'est trop sympa! Ah oui, on leur a donné une chocobée et ils l'ont bouffé, ils l'ont chié, ils nous l'ont donné. C'est mignon. Quelle jolie toile, mon bon Wilhelm! À 100 simflouz, 397! Ça va, ça va, ça va, ça va. En termes d'impressionnisme, je n'y connais pas trop. Mais ça ressemble à pas grand chose. Et la toile est terminée. Et elle vaut 227. C'est pas génial. C'est pas génial du tout. Allez, c'est parti. Tu m'en refais une à 75. Fais-toi plaisir. Exprime ton talent et ton art. Alors, une autre toile de terminée. 183. Bon, tu nous perds la baraka là. Ça va pas du tout, hein. Toile classique. Fais-moi une toile classique à 100 et après je vends tout. Sachant que ta fille, va falloir qu'elle aille se coucher après, Guenièvre, parce qu'il commence à se faire tard pour une jeune fille de son rang. Alors que les monstres se sont réveillés, il va falloir s'en occuper.
Comment? Un chef-d'œuvre? Oh! 2151 Simflouz. Oh my god! Ok, William, ok, non, mais voilà, il suffit que je m'énerve un peu, et puis il fait des trucs bien. Vas-y, t'as la baraka. Run-toi la 100, classique, là, 2000. Oh, mais ça nous paye tellement la semaine, là. Ah, oh, et puis il leur fait la même. Ouais, ça m'étonnerait que ce soit encore un chef-d'œuvre. Là, faut pas espérer. Ah là 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 là, Guenièvre! Ah bah, il est minuit, hein, c'est comme les Gremlins, hein. Ça passe à côté obscur. Une jeune fille de ton rang ne doit pas faire de bêtises de ce genre. Tu ne trouveras jamais de bon parti. Bah, Willem, t'as fini ta toile. Bon, c'était pas un chef d'œuvre, hein, ça, je m'en doutais. 596. Bon, et c'est bon, hein. Je pense que là, on est pas mal. En plus, il nous reste encore 500 Simflouz. Je vais vendre ce qu'on a de côté. Nous sommes à 529 Simflouz. Et nous allons vendre nos petites toiles. Enfin, nos petites. Oh, il en a quand même fait pas mal, hein. On a 6 toiles classiques moyennes. 1737. Oh là 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 là. On va tellement être pété de thunes, ça va être génial. On a 4 petites toiles impressionnistes, sachant qu'il m'a fait 2 fois un chef-d'œuvre. 1500. Et on a des 5 grandes toiles classiques. Et on en a une qui est un chef-d'œuvre à 2000-3700. Quand je vous disais qu'investir ces moindres sous pouvait nous sauver, regardez où on en est. On est rendu à 7538 Simflouz. Je le laisse chanter parce que franchement, ça se fête. Notre part du Seigneur s'élève quand même à 1051 Simflouz. Ce qui nous reste quand même un petit pactole de 7487 Simflouz. On est quand même bien là. On est très très bien pour le reste de la semaine et pour le reste de bien la vie aussi. Et oui. Et on va acheter un lit pour Guenièvre. Oh oh. Althea a un petit souci. C'est complètement con. Elle est coincée sur le pont. Oh ma pauvre. La petite chambre de Guenièvre a été installée ici. Donc c'est simple, mais c'est efficace. Elle a son petit lit à elle. Rien n'a trop changé. Si, en fait, quelques rideaux sont apparus dans les chambres, histoire de donner un peu plus de confort. Quelques plantes ont également fait surface. Et oui, pour la décoration, sachant qu'on a un petit peu de popo de gnon-gnon. Et dans le salon, j'ai déménagé le jeu ici. Voilà, près des fenêtres, il y a un petit pot de fleurs qui est arrivé également ici. Et oui, rien n'arrête les artistes même à 4h du matin, puisqu'il fait encore de l'art. Et la toile est terminée, et elle vaut 344. Ah, je l'aime bien ce Willem, finalement. Ah, Guenièvre va aller à l'école alors que... Oh là 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 là. La stéréo est revenue. Et c'est remis en route, sans qu'on lui demande. Incroyable. Il est l'heure pour toi d'aller à ton premier jour d'école, rencontrer peut-être ton futur mari. On sait jamais, hein. Enfin, on a le temps de voir, hein, mais mieux vaut tôt que tard. Alors, pendant que Théa s'occupe de ses petits jumeaux, elle est triste. En fait, je suis en train de réfléchir depuis tout à l'heure, il est marqué décès dans la famille. Et c'est Laurent Beaver qui est décédé. Et il me semble que Laurent Beaver, c'était le frère de son père, qui était Gaspard. C'est le frère de Gaspard, je sens. Il me semble celui qui était le plus jeune. Je me sens comme un papillon ce matin, chérie. Mais bien sûr, c'est normal, parce que tu en es un. Oh, merci, c'est gentil. Oh, petit câlin quand même des amoureux, parce que, ben, faut pas oublier qu'ils sont mariés. Ah! Ah bah oui, notre... Bah oui, bah elle assiste à tout ça. Elle va faire « Berk, papa et maman, ils font des trucs bizarres, c'est sale !» Bon, cette fois-ci, on n'a qu'un seul des deux qui gueule. C'est lequel, d'ailleurs, celui-là? C'est Sigismond. Ok, très bien. Oula, qu'est-ce que... Oula, qu'est-ce que... Mais quoi? Mais comment ça? Mais je bouge la tête 2 secondes et il fait plein de conneries. Oh là là. Oh là là. Faut les éduquer, même les adultes, là-dedans. Alors, la toile que Willem m'a faite vaut 500 Simflouz. Percy est entré dans la maison et est venu nous voir. Eh ben, c'est sympa cette petite toile. 205 Simflouz. Bon, j'ai vu mieux. Qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord, tu dis bonjour à ton beau-frère maintenant. Tu es venu en moto? C'est vrai qu'avec la neige qui a fondu, c'est beaucoup plus simple. Ah, bah tiens, voilà. Il dit bah oui, il n'y a plus de neige. Je suis venu en moto, bien sûr. L'autre jour, j'ai glissé. J'ai failli tomber dans le ravin. C'est incroyable. Waouh, 125 Simflouz de domestique. Heureusement, normalement, on devrait arriver à survivre, mais bon. Mais il est revenu dans la poubelle, celui-là. Mais top, pas, hein, Percy. Bah oui.
T'as les pieds dans le caca, c'est une drogue qu'il y a mis, nonard. Et en plus, il fait joujou dans le bordel. C'est super. Et Guenièvre rentre de l'école, elle a ramené avec elle un petit camarade. Oh, ouh, ouh, quel look. Quel look, jeune homme. Et en plus, c'est un seigneur. Mais non, mais comment tu peux tout de suite? Elle a compris, quoi. Elle, premier jour d'école, elle vous ramène le fils d'un seigneur. Elle a tout compris au challenge. Il m'a fait un chef-d'œuvre. Il m'a fait... à 1583. Oh, purée de pommes de terre de loukoum. Oh, il nous régale. Il nous régale. Bah, c'est du taf, quand même, ces jumeaux. Mais je peux dire, quand même, que dans mon malheur, ils sont organisés. C'est-à-dire que comme ils pleurent tout le temps en même temps, ben, j'y vais une fournée pour deux, quoi. Et ça, c'est sympa. Enfin, sauf les cris, évidemment. Mazette, mais dis donc, on a reçu masse jouets dans la boîte aux lettres. Mais alors, bah ouais, bah par contre, on peut jouer qu'avec le papillon, quoi. Alors qu'elle tente le dialogue avec les oiseaux également. Pourquoi pas, après tout, elle aussi, elle a droit, non? Et l'autre, il m'a fait encore un chef-d'œuvre, il est sérieux. Il est sérieux, mais c'est l'épisode au chef-d'œuvre, hein? Oh, bah c'est nul, 569. Oh, j'ai vu mieux, hein. Je suis déçue. Qu'elle est belle. Elle chante pas très juste, mais au moins, elle chante pour les oiseaux. Je m'attends au pire, elle a chanté. Et ils ont pas apprécié. Ils lui ont chié dessus. Oh, regardez cette pauvre tête. Oh, ma pauvre petite Althea. Mais pourquoi il t'aime pas? Oh, ma pauvre biche. Bah, c'est pas grave, tiens. Tu vas retourner chez toi, parmi ceux qui t'aiment. Regardez-moi ce chantier. Il y a des ordures, il y a de la peinture. C'est n'importe quoi. Vive les enfants, quoi. Un petit câlin à ta fille, avant de l'envoyer au lit. Oh, regardez-moi cette grande fille. Déjà. Genre dans 2-3 épisodes, elle sera déjà ado, quoi. Ça me tue, moi. Ça me passe beaucoup trop vite. Allez, au lit, ma petite Mildred. Je pense que d'ici le prochain épisode, c'est elle qui va devenir une petite fille. Ouais, dans 2 jours. Bah écoutez, ça grandira très vite. Et puis après, ce sera au tour des jumeaux. D'ailleurs, je ne vous ai pas encore demandé. N'hésitez pas à commenter et liker. Et partager la chaîne, ainsi que les vidéos, comme d'habitude. Allez, une dernière petite toile. Avant d'aller dormir. Pour notre cher Willem. Oui, notre cher Willem, oui. Oui, non, mais bah, écoutez, depuis qu'il nous fait des chefs-d'œuvre et qu'il nous a sorti du pétrin, c'est ce cher Willem. Ouais, ouais, je mesure bien ce que je dis. Allez, avant la fin de l'épisode, une petite stéréo. Encore et encore, toujours. C'est le meilleur son du jeu, hein. Très travaillé, très réaliste, surtout. Et oui, Althea, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, ton mariage. Cette toile en témoigne. Tu étais toujours aussi belle que tu ne l'es. Même si t'as maintenant 4 enfants. Et la dernière toile du jour, ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est quand même excellent. C'est 611, Simflouz. Bah voilà, il nous régale, hein, il nous régale. Willem nous aura bien sorti du pétrin. Et c'est très bien. Allez, Althea, tu peux aller te coucher maintenant, je pense que tu mérites bien. Je pense que cette fut un épisode absolument enrichissant dans tous les termes, dans tous les sens du terme. Et c'est là-dessus que moi je vais vous quitter, en espérant en tout cas que ça vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'anniversaire des 3 enfants. Et puis bah, à vos commentaires, j'espère vous lire. Des gros bisous, ciao ciao.